Représentant le maire de Benoît à l'inauguration de la plateforme logistique du groupe AGSAYAU, le premier adjoint au maire de la commune, Sylvestre Topé, a invité, le vendredi 25 mars 2022, les sociétés à y exercer pour occuper sainement la jeunesse. C'est un véritable plaidoyer que le premier adjoint au maire de Benoît, Sylvestre Topé, a fait, le vendredi 25 mars 2022, à l'endroit des responsables du groupe AGS, lors de l'inauguration de leur plateforme logistique, à YAU, village situé sur l'axe Grand Bassam-Benoît. Natif dudit village, il leur a demandé de penser aux jeunes. Sylvestre Topé demande aux responsables de l'entreprise de penser aux jeunes, en ma qualité de premier adjoint au maire et fils de ce village, je voudrais sincèrement vous demander de penser à nos jeunes, les jeunes de la commune. L'oisiveté fait qu'ils s'adonnent à de mauvaises pratiques. Pensez aux jeunes de la commune et particulièrement à ceux de YAU parce que vous êtes à YAU, a-t-il plaidé. Quand un jeune est occupé, il ne pense pas aux mauvaises choses, Sylvestre Topé a fait savoir que, quand les jeunes ne font rien, ils s'adonnent à tous les vices. Quand un jeune est occupé, il ne pense pas aux mauvaises choses, a-t-il souligné, avant d'indiquer la plateforme logistique du groupe inauguré et, la plus grosse entreprise qu'on voit naître, à YAU. Au dire du premier adjoint au maire, la commune est prête à accueillir toutes les grandes sociétés qui veulent exercer à YAU. Au nom du maire Jean-Paul Amétier et de son conseil municipal, il a remercié les responsables de l'entreprise et s'est dit ému. Nous sommes très émus parce que nous n'avons jamais pensé que dans notre commune, et particulièrement à YAU, une si belle réalisation sera faite, a-t-il confié. Lire aussi industrialisation, une usine de transformation de fruits séchés de 3,28 milliards de FCFA inaugurée à Benoît bien avant lui, Guillaume Dehaime, le directeur pays de cette entreprise a fait savoir qu'elle emploie 63 salariés et plus de 20 stagiaires en formation permanente sur les activités d'archivage physique et numérique. Il a aussi présenté les 5 pôles d'activité, à savoir le pôle déménagement international, le pôle archivage physique et numérique, le pôle relocation, le pôle franchise et le pôle patrimonial. La Côte d'Ivoire est le laboratoire du groupe pour sa part, le vice-président du groupe, Paul Massardier, a laissé entendre que l'aventure a commencé en Côte d'Ivoire, en 1993, avant de s'installer au Niger, en Centrafrique, au Bénin, au Togo, au Cameroun, à Madagascar, puis son déploiement sur les pays anglophones. Toute chose qui lui a fait dire que la Côte d'Ivoire est le laboratoire du groupe pour l'Afrique, mais aussi au-delà de l'Afrique, pour le monde entier. Après avoir présenté les différents pôles d'activité dans les moindres détails, il a précisé que, AGS Côte d'Ivoire a atteint, aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA. Les différentes interventions ont été suivies de la cérémonie de libation et de la coupure symbolique du ruban. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.